Il était prisonnier chez lui, Brigitte Bardot cache sur la fin de vie d'Alain Delon. Dans une interview parisienne, Brigitte Bardot, 90 ans, le 28 septembre prochain, se livre sur son amitié avec Alain Delon et pousse un coup de gueule sur la fin de vie de son ami. Pas encore certaine de fêter ses 90 ans, Brigitte Bardot, elle est en deuil, dit-elle dans une interview confession aux Parisiens. J'ai perdu mon chien, mon chat Alain et mon ami Paul Watson est en prison. Je ne peux pas vous dire que j'ai envie de rigoler. Dans cet entretien, l'actrice de Et Dieu créa la femme s'émeut de la façon dont est parti son ami Alain Delon dans des conditions terribles. Il a été prisonnier chez lui. Personne ne pouvait entrer dans cette propriété, ni même lui parler au téléphone. Ce n'est pas lui qui décrochait. La famille décidait de tout. Cette dernière année a été lamentable. Elle raconte aussi qu'il ne se voyait plus jamais, mais qu'il s'appelait régulièrement. On se fêtait nos anniversaires. On s'appelait pour rien du tout. Comme ça, il aimait être seul et moi aussi, ajoute-t-elle. Quant à leur beauté respective, elle confie que ça les rapprochait, mais qu'ils étaient tout le temps guettés. Dans cette interview, la défenseure des animaux évoque largement son combat pour les animaux et Paul Watson, défenseur de baleines, est emprisonné au Groenland. On a le même point de vue, il ne faut pas qu'il soit extradé au Japon, là-bas il va mourir.